Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de Final Fantasy 9. Aujourd'hui, donc du coup, ça sera donc sûrement un épisode tranquille, leveling, donc sans de... Ah, sans vraiment... comment dire... Sans vraiment avancer. Ce que je vais faire, parce que du coup, déjà, je vais reprendre la manette correctement, plutôt avec ce machin, plutôt que le joystick, je vais prendre des petites croix directionnelles. Et on va traverser l'océan, les amis. Parce que du coup, il y a deux trois trucs que je voudrais faire. Notamment accoster sur un désert ici, ce que je me suis renseigné, la petite bestiole en fait que je cherche est dans le désert. Donc on va chercher juste à accoster par ici. Je sais qu'il y a une petite plage à la con. Oh, il y a l'arrêt de con. Ah non, c'est pas là. Bon, c'est pas grave, on va aller au nord de toute façon. Le désert, je crois qu'il est à l'est. Là. On va se poser ici. On va faire un petit tour. Allez, fais pop un truc. Ah. Non, non, c'est pas un truc mignon. Tant pis. Ah bah c'est ça que je cherche. Bah voilà, impeccable. Bah d'une pierre deux coups, parce que il y avait le château où je voulais aller. Bon alors du coup faut pas que je la tue. Alors je crois que je peux y aller hein. Et elle m'a foutu Bibi en transe. Génial. Qu'est-ce que je vais pouvoir s'envoyer encore? Un foudre plus et un sommier. Ouh, je tape fort. Ouh, je tape très fort. C'était pas prévu ça. Attends, ce qu'on a. Ne la tue pas. Merde. Bon, ne sois plus en transe. Eh ben ça commence bien, tiens. Alors oui, je suis désolé parce que du coup j'ai voulu repartir sur le bateau pour reprendre l'épisode sur le bateau. Et en fait, eh ben je me suis fait attaquer entre temps. Pour une espèce de truc à tentacule là. Bon alors du coup, bah vu que c'est ici. Alors j'ai pas retrouvé une. Ah putain, j'étais sûr. Ouais, je me suis attaqué par cette merde. Imagine-moi. Je suis pas sûr que ça ait un impact quelconque. Attaque de la team rocket, défense, maintenant qu'il est immunisé contre des attaques de terre, c'est ce qui me semble. D'équerre. Ah. T'as bien compris ton truc ou toi ou pas? D'ailleurs Quina, je vais la faire avancer un petit peu, la mettre en première position. Parce qu'elle est censée faire des attaques physiques et magiques. Donc oh c'est cool, ils apprennent plein de trucs. Sauf que j'ai pas de quoi leur apprendre autre chose. Super. Équipement. Non. Compétence plus. J'en ai d'autres, de toute façon. Alors du coup, t'as appris un truc ici. Ah. Champion. Est-ce que tu peux l'apprendre d'une autre façon, ce champion? Pour te l'éviter. Invincible. Ah, tu vas apprendre champion. C'est 20, le champion c'est 30. On va prendre champion, parce que du coup c'est le truc le plus pourri à récupérer. Non, ça c'est bon, t'as rien d'autre. Normalement, t'as rien qui augmente ta magie. Hein. Si. Un magie clé, nickel. T'as rien à prendre, et ça t'as rien à prendre. Ici, je crois que t'as rien à prendre du tout. Un magie.
magique là, nickel. Attends, j'avais dit que ce que t'avais à l'avant, le mercure auto-booster, ok. Toi, t'as appris ni chaud ni froid. Pleine lune. Ah oui, c'est le truc que tu vas prendre. Ah, techniquement, en plus, ça peut être une bonne technique parce que elle prendrait deux fois plus de points. C'est vrai que si on prend 2, ça fait 4. Elle est à. Ouais, non, mais de toute façon, elle a toujours son épée sympa, elle. La fille, l'arme, je la garde pour. Contre-attaque. Cool. Ah, merci. Tiens, prends auto, elle est vite en fait. Du coup, t'as plus rien à apprendre ici. Non. Si, t'es en train d'apprendre, t'es en train d'apprendre. Donc, ouais, c'est en fait, c'est le truc qui est toujours pleine lune en fait. Hein. C'est classe. Pour moi, au niveau. C'est vrai, on se prend pas la tête. Vite à la cécité, on s'en fout un peu. Bon, alors en fait, on va faire un truc. Allez, les amis. Il me faut cette baleine moche! Je veux la baleine moche, je veux la baleine moche. Oui! La baleine décomposée. Alors, attaque. Ah oui, j'ai dit qu'il fallait que je déplace ce Quina. Magie blanche, soin plus sur tout le monde. Ah, tu me les fous pas en transe. Hein. Attaque. On va faire un full. Hein. Il y a cannibale, ok. Interdit de la tuer cette fois, Vivi. Interdit. Nickel. Génial. T'as pas un Esuna toi? Non, t'as pas. Raté. C'est marrant. Oui! Hades 5. Nickel. On va prendre à voir Big Dragon, il va dire bonjour. T'as appris contre-attaque, c'est super. Sérieusement, il y a quoi aujourd'hui quoi? On est lundi, c'est férié. Il y a je crois pas. Équipement, du coup, j'avais dit contre-attaque. Équipement, c'est ça. T'as sûrement autre chose à apprendre, toi? Non! Génial! Bon. On va faire un tour dans la ville là-bas. Pour récupérer du stuff. Bonjour, point d'interrogation. À Gaza Est. Hop. On s'en fout. Passez, parlez-vous. Ah, j'ai vu un mug. On s'en va enlever un mug. Ah non, c'est une bestie, une petite fille, un petit garçon, je sais pas, un PNJ. Bonjour. On s'en fout. Je sais plus où c'est en fait. Oh, je crois que c'est là. Bonjour. C'est ça, vendeuse. Bonjour. Oh, oui, bien, Mitag, j'en ai vu. MTP, j'ai. Mitagriffe, je n'ai pas. Mais je. Mitmassu. J'ai combien en stock? Oui, déjà, mythe bâton, mythe paramite. C'est pour ça que les mythes en fait, parce que c'est en mythril. Des potions, des max potions, tout ça. C'est tout. Oh, je suis déçu. Je suis déception, meurtre total. Une forge. Mince. Non. Non. C'est pas grave, moi je serais. si je le savais, j'ai fait exprès. Non, c'est bon, je vais pas lui parler. Salut Mug. Je peux déjà aller là, moi? Ah, c'est fermé. Donc,
c'est bon, sur le front. Point de vue. Hop, nickel. Bon. On n'a pas le temps, hein. On est pressé. On est pressé, l'enfer. On s'en fout des gens. Ils ont des choses à nous dire, mais on s'en fout. Moi, j'ai pas envie d'en parler. Moi, je suis un bâtard. Hop. On prend notre bateau. Non! Pourquoi? Non! Je vous défonce. Je crois en fait que Queen est déjà devant. Bah c'est plus. Allez, 5. Voilà. Ouais, là c'est raté, mec. Toi, t'es mort? Ouais, j'ai eu un doute là. Ouais, c'est pourri. Bibi, tu m'as habitué à nous. Hades niveau 5. Raté. Bon, bah tant pis. Echo qui l'avait tué, je serais mort de rire. Voilà, c'est fait. Allez hop! Ouais, niveau plus. Alors d'ailleurs, en parlant de ça, compétence. La mise non est déjà devant en fait. Ouais. Non, pas ça, je m'en fous. Il te faudrait. C'est pas ça, tout bon. Aussi les pétrins, on s'en fout. Poison est toxique, foutage de confusion, favorise la transe. Ouais, vu que tu as bouffé des choses, c'est peut-être pas plus mal. Je vais t'activer juste le niveau plus. Ah, non, je vais retirer ça. Ouais. Oh, il y a des troubles. Voilà. Champion, ça fait quoi ça déjà? Augmente des chances de réussir une attaque physique impeccable. C'est ce qu'il me fallait. Orphée, Lupin. Hop. Tonifiant. Autoboom. Autoboost. Compétence niveau. Autopotion. Mobilis. Tout doux, c'est fossile et pétra. Jeune froid, c'est feu et glace. Portage de stop. On s'en fout. Autobooster. Tatata. Ouais, c'est chiant. T'as pas niveau plus, toi? Qu'est-ce que tu attends? Équipement. Bah alors? Ah, c'est à prendre un booster. Ah ouais, t'es en train d'apprendre en fait. Avec ton rouge à lèvres de Chanel numéro 5. Autobooster. Ah bah regardez, autobooster de toute façon. Hop là. Donc, maintenant que nous avons fait cette connerie, nous allons voir la caverne de Gizmar. Ça c'est super relou. Il faut que j'aille par là si je dis pas de bêtises. Tout droit. Pour les voies défaire Big Dragon et donner une graine coco tant qu'à faire à l'autre. Ça peut être utile en même temps. Allez, y'a pas un boost là-dessus, c'est possible. Ah, c'était long à l'époque les trucs. Se déplacer, c'était affreux. Bonjour. Et hop, on y va. Bonjour et bienvenue sur le sur le continent. Je vais vous défoncer la tête. Alors, vous, si je me rappelle bien, Brasier. Bah écoutez, Lance Glacier Plus vous attaque. Ça c'est sacré. Bon bah. Ah oui c'est vrai qu'ils sont nuls, j'avais oublié.
Ah ouais. Ouais. Ça te marrant. Bon. Donc Léria qui s'est carrément cassé la gueule. Hop. Laissez-moi avancer. Ça c'est chiant par contre. Quand tu veux pas te faire attaquer tous les 2 mètres, ils ont corrigé ça dans les suivants. Enfin dans le 13. Le 12 je me rappelle pas. En plus une attaque surprise. Sur le 13 en fait tu peux choisir d'attaquer ou non les ennemis. Ils sont sur place quoi. C'est comme le 15 quoi, on peut attaquer les ennemis ou pas. Blink. On s'en fout dans les autres, allez hop. Toi t'es mort. Toi t'es mort. Parce que quand t'as besoin d'aller quelque part et que ben finalement tu te fais attaquer. Oh, mais tous ces 2 mètres. À l'époque c'était super relou. En plus quand tu repars sur un ancien continent où t'as des ennemis qui valent pas un clou. C'est quoi qu'on porte qui ici? Non mais sérieusement, j'ai trouvé les tuer les combats à un moment. En plus encore une attaque surprise. Fuyez, pauvre fou. Merci. Allez hop. Je veux rentrer dans la caverne. Oui, oui. Ouais. Alors ça, c'est vraiment c'est chiant, c'est qu'on va pas faire le tour de l'autre côté. Là, 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 là. Bonjour. Prends-les. Une expansion, nickel. Il y a un peu beau, on s'en fout. Hop. Bonjour. Un poste, on s'en fout. Sauvegarde, oui, je veux sauvegarder. Hop là. C'est dangereux dehors. Oui, je sais, c'est pour ça que j'y vais. Le mec a tout compris. Non mais j'ai envie de me suicider, c'est bon. C'est cool, t'inquiète. Est-ce que c'est Big Dragon? Oui. Quina, je compte sur toi. Normalement, tu devrais être OP. Nickel, voilà pourquoi je sais technique. Bon, Echo ne prendra pas de niveau à ce moment-là. Bon, objet. René. Echo. Echo. Ranger. Photo. Trésor. Nouveauté. Oh si, j'ai le Sagittaire. C'est sans rhume. C'est bien, j'ai chopé la crève et je suis Sagittaire. C'est très bon. Ouais, je sais, elle a pas de vie, mais en même temps, il me one shot. Alors, moi, je fasse cette passe de leveling la prochaine fois. Caméra, ça va être chiant parce que du coup, il va falloir que je ramène tous les autres persos, que je revienne ici avec Quina et voilà.
mais c'est une blague. Ah l'enfoiré. C'est pas grave, bah, au moins elle sera pas morte. Ah voilà pourquoi il faut toujours sauvegarder, même si on a confiance en soi. Ah bah c'est cool en fait. Du coup j'en suis... t'es morte ou pas pour autant? Non t'es pas morte pour autant. Le problème est on recommence. Ah, faudrait que j'apprenne anti-boom. Je sais plus quel objet me permet d'apprendre anti-boom et multi-boom avec des filles. Anti-boom avec, comment ça s'appelle, les filles. Parce que ça, c'est hyper pratique. Raté. Donc, tu vas me faire une magie bleue à des 5. Allez, hop. Ça, c'est fait. Nickel. C'est encore mieux parce que du coup Echo est en vie, donc pouvoir up. Et vous voyez en fait ce dragon là en fait il permet de prendre énormément de niveaux. Une carte Big Dragon, génial. Ouais du coup 3 niveaux quoi. Par contre Quina en a pris moins que tout à l'heure. Alors je vais sauvegarder à chaque rencontre avec lui. Ça va être relou. Hop. Et comment faire up ces persos assez rapidement? Pas le choix. Il nous faut Big Dragon. Non, parce que sinon ils avancent. Ils évoluent pas. Les... Steiner, que je ramène ici parce qu'il y a pas mal de retard à récupérer. Freja aussi. En fait, je pense que les prochains persos que je up ce sont Steiner et Freja. Parce que Jidan est obligé dans l'équipe et il me faut Quina pour le one shot. Donc. Hop. Allez, rapide, efficace. J'ai moins de temps quand même que de tuer que la première fois. En plus, il apprend, il a des compétences plus. En plus, ils ont tous niveau plus, donc du coup, ils up, facilement. Compétences, du coup, toi t'as pris champion. Non, c'est pas ça. Non, toi t'as pris champion. Coffret. C'est dans. C'est ici, hein. Donc, tu vas apprendre des choses en attendant. Invincible. On n'arrive pas tellement au choix. Comment ça apprend invincible? Autoboom. Ouais, donc c'était pas la bague. Non, bague. Ah, auto-booster, t'as encore un, c'est bon, quoi. On peut changer, on va prendre quoi? Niveau plus. Parce que là, il faut vraiment qu'elle prenne. Anti-boom! Oh mon dieu, c'est génial! ça, c'est génial. Donc, c'est le rouge numéro 5 qui permet d'apprendre anti-boom. J'ai même pas regardé tout à l'heure, en fait. Ah, c'est trop bien. Et il y avait. Donc, Bibi doit avoir multi-boom quelque part. L'extension, c'est ça, auto-boom. Génial. Bibi doit apprendre multi-boom avec un autre objet. Parce que ça, ça sera hyper pratique en fait. C'est-à-dire que Bibi, je vais pouvoir mettre auto-boomerang sur tous les persos. Et que en activant le anti-boom, les attaques donc magiques de la personne qui l'écho pour le coup, passeront à travers ce boomerang. Donc, tous les soins, normalement, quand tu fais un soin et que t'as un boomerang, bah, ça envoie sur l'adversaire. Ça soigne même l'ennemi, donc comment dire. Ça peut être pratique dans certaines conditions quand l'ennemi c'est un mort vivant, mais bon, c'est pas toujours le cas. Lui par exemple, ce n'est pas un. Et donc en fait, du coup, tu peux soigner tes alliés, même en même temps, quand tu veux te protéger d'une foudre X, par exemple. De ça par exemple. Magie blanche. Vie sur Bibi. Toi, tu vas me faire une magie bleue AD5 sur Dragon. Donc voilà, typiquement,
Bon, là, c'est bon, ça dérange pas. Mais si j'ai dû lancer un soin, ça serait passé quand même. Impec. Ensuite, la compétence multi-boom donc de Bibi, justement, en fait, permet de multiplier l'attaque en fonction du nombre de boucliers sur lesquels il se. Sur lesquels il se heurte. Donc, autant vous dire qu'en général, je lance boomerang sur toute l'équipe. Je lance une foudre X sur toute l'équipe, ça renvoie la foudre X, mais puissance max. Donc, équipement, tu as appris l'auto-booster. Donc, prochaine étape, ici. Niveau plus et anti-boom. Alors, du coup, compétence, je vais t'activer tout de suite. Alors, pas anti-boom, mais déjà niveau plus, quoi que je fasse. Si j'enlève l'auto-récup. Bon, anti-boom, de toute façon, je mettrai plus tard. Je mettrai plus tard. Non, c'est pas ça que je veux. Je mettrai plus tard anti-boom. Dès que tu auras pris des niveaux. Oui, sauvegarde encore. Moi, je fais que de ça, sauvegarder. Disons que les niveaux, ce serait triste de les perdre. Parce que du coup, c'est du temps perdu après et. Il suffit qu'il fasse une foudre X au mauvais moment et ça rend ça one shot tout le monde. Comme tout à l'heure par exemple. je vais juste faire quelque chose avant. Bon, du coup c'est ce qui commence. Voilà, ça c'est fait. Magie blanche vie sur Gilles. Magie bleue à dessin. Vas-y, on s'en fout. C'est bon, pollution. Défense. Ça va la faire dormir un petit peu en fait. Ouais, je pense que je le ferai up en hors-cam. Sinon ça va être trop chiant pour moi. Photo-limite niveau plus, impeccable. Voilà, donc vous allez voir, vous avez vu le principe de ce que je vais faire donc jusqu'à ce que je sois satisfait. non, en fait, non, rien. Ah non. Il va falloir que je coupe là, si ça commence comme ça. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ça fait deux fois de suite. Arrête de me faire rire, mais c'est pas ma faute, j'ai pas fait exprès. Équipement. Toi, ah, t'as enfin appris pleine lune. Wouh! Contre-attaque. Tu as toujours à apprendre, non, je veux dire. Niveau plus. Fausse mêlée. Un truc qui t'augmente ta. Force et magie. En soi. Tu vas apprendre une chose. Hop, c'est à prendre auto-booster. Ouais. Après tout. Oh, t'es bien pris auto-booster. Ouais, voilà. Bon, sur ce, les amis, je vais vous laisser. Je vais juste faire. Dormir un petit peu. Tente. On en reste à 13. Je pense que je vais vous laisser parce que du coup, ça va faire la phase de leveling chiante. Non, je vais pas sauvegarder. Tant pis pour toi. Ouais, parce que du coup. Quoi ? Ça n'a pas restauré tous mes MP ? Objet. Critère. Ouais. Gina n'a même pas récupéré tous ses points. C'est quoi ce temps pourri là ? Ça sert à rien d'attendre. Enfin bon, un dernier combat et puis je vous laisse. Donc c'est le. L'épisode. Qui est pas très très intéressant. Promis, la prochaine fois on fera autre chose. Du creux choco. Non! Non, non, non! Oh putain, putain, n'est pas mort. Objet. René. Sur écho.
ouais, genre ils veulent vraiment m'achever quoi, il y en a ras le cul, je le bute. Invoquer Phoenix. Voilà, vous allez voir en fait à quoi sert Phoenix finalement. Utilité. Donc une attaque de feu sur l'ennemi. Et un raise sur tout le monde. Pas le meilleur des raises qui existent, mais c'est toujours ça pris. Ok, donc il y en a une qui meurt. Toi tu lances un René sur Echo. Toi tu lances AD5 sur Big Dragon. Et normalement après je m'en sors et je me casse. Non! Non! Pollution ça va. Ok, c'est vrai. Ah, nickel. Dernier combat, dernier combat, le combat de l'analyse. Putain. Impeccable. Donc, équipement, toi je t'envie ta boomer, bike, tu vas apprendre une chose, Sylvie, qu'est-ce que t'as à apprendre? Oh, t'as un truc à apprendre, auto-lévite. Oh bah, tu sais quoi, il te reste plus que ça à apprendre, donc apprends ça. Voilà. Active auto-lévite, ouais, direct quoi. Tout doux c'est quoi? Fossile et Petra. Ça je verrai ça plus tard, auto-évite ça sert à rien. Enfin si ça évite les attaques de terre. Mais bon, alors, les amis, sur ce je vais vous laisser. Moi je vais continuer à faire un petit peu de up, changer mon équipe pour up bah, à peu près tout le monde. Correctement, genre les mettre au niveau, là ils sont au niveau 35 à peu près. Ça me paraît plutôt bien, ça me paraît plutôt pas mal. Je sais plus à quel niveau est le prochain boss. Je crois que c'est une trentaine de niveaux. 40. Ouais, je pense que je les pousserai peut-être jusqu'au niveau 40 parce que ça monte assez rapidement. Et comme ça, alors du coup, ça va être très très long. Mais avec Big Dragon, ça sera beaucoup plus simple. Il faut juste que j'en mette niveau plus. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Final Fantasy 9. La prochaine fois, promis, on fera autre chose que du leveling, on fera du cross choco, de je ne sais quoi, on ira peut-être chercher le mec qui fait des quiz, aller chercher des chocos, des trésors avec le chocobo, attraper des grenouilles. On fera sûrement donc du coup peut-être du cross choco, je ne sais pas. Si vous voulez voir, ou sinon, bah sûrement la quête principale. Parce que du coup, on va continuer un petit peu. C'est un bout de temps qu'on n'avait pas fait d'annexe, mais bon. Voilà, voilà. Enfin, sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!